Nous allons voir l'entretien de votre lave-vaisselle Bosch. Ça permet de conserver une bonne efficacité de lavage et de prolonger la durée de vie de votre appareil. L'entretien est très simple, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour l'entretien, vous allez commencer par sortir le panier du bas pour accéder au filtre. Alors le filtre, il filtre en permanence l'eau de lavage. Donc c'est la pièce qui va être la plus sale. Il faut la laver très régulièrement, elle se démonte. Je vous montrerai ça après. Les bras de lavage, juste en tirant dessus. Alors si vous avez des saletés, il faut utiliser un cure-dent, un petit objet en bois, mais surtout pas d'objet métallique, sinon vous allez agrandir les trous. En fait, c'est le sens des trous permet la rotation des bras, c'est important. Il y a un bras aussi en haut. Donc là, c'est un quart de tour et on sort le bras. Donc là, pareil, on vérifie que les trous soient bien libres. Le filtre doit être démonté, il est en trois parties. Donc vous tirez, ça c'est le filtre métallique. Ici, vous avez deux petits clips pour le sortir et la grille. Donc vous passez tout ça sous l'eau, vous nettoyez tout et vous remontez l'ensemble. Pour le filtre métallique, vous pouvez le brosser avec une petite brosse, une éponge, pour retirer toutes les salissures qui vont être coincées dans les interstices. Pour les bras de lavage, vous pouvez aussi faire couler de l'eau dedans et vérifier que les trous ne sont pas bouchés. N'utilisez pas de pointe métallique pour les déboucher, juste un petit cure-dent en bois. On va remettre le filtre dans le fond de cuve. Pour le verrouiller, on n'oublie pas de tourner les deux flèches face à face. On vérifie qu'il tient bien. Pour remonter le bras de la partie inférieure, il suffit de mettre en position et d'appuyer. Et pour celui du haut, on le positionne dans le trou et on fait un quart de tour pour le verrouiller. Et ensuite, on remet le tiroir du bas. Avec un chiffon microfibre humide, vous allez nettoyer la façade. L'avantage, c'est que ça ne raille pas. Vous allez pouvoir aussi ouvrir l'appareil. Vous allez nettoyer les joints tout autour. Vous pouvez aussi nettoyer les contours de porte ici. Moi, je vous conseille pour désinfecter votre lave-vaisselle d'utiliser ce type de produit. Ce sont des produits d'entretien spécifiques pour la vaisselle. Il faut démarrer un cycle. Alors, quand vous démarrez votre cycle, vous allez mettre votre produit dans le bac à produits, mais sans vaisselle dedans, et vous allez démarrer un cycle d'entretien. Autre type de produit, en liquide. Alors là, l'avantage, c'est comme c'est liquide, vous pouvez l'utiliser pour nettoyer aussi les joints. Et ensuite, vous le bloquez dans le bac, la tête en bas, pour que le produit sorte petit à petit pendant le lavage. Et ça permet de complètement désinfecter et de nettoyer totalement votre lave-vaisselle. Il est recommandé de le faire tous les 3 mois environ. Voilà, l'entretien est terminé. Vous voyez, c'est très simple, mais c'est très important pour prolonger sa durée de vie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions, un j'aime sur la vidéo, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.